Pasteur Maxone Laurent, j'ai du plaisir de vous accueillir sur ce plateau. C'est la première émission qui est filmée à partir du nouveau studio UAGF Prod. Nous avons donc le plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Cette première émission, Pasteur Laurent, veuillez donc nous dire un petit peu quelles étaient les intentions derrière la direction de l'Union de pouvoir avoir cet outil à la gloire de Dieu. Oui, évidemment, cet outil correspond à un besoin parce que nous sommes dans le monde de l'audiovisuel. Et depuis quelque temps, avec le département de communication, que vous connaissez très bien, nous avons embauché un webmaster. Donc c'était toujours tourné vers la communication. Et vous savez, toutes les démarches qui ont été faites, puisque vous occupez pleinement de cette branche de l'œuvre à travers la communication. Et puis après, bon, on a compris qu'il fallait continuer, aller plus loin. Il est vrai que ça remonte à déjà quelque temps où nous sentions ce besoin de produire. Depuis des années, nous avons des radios. Et par conséquent, nous faisons de la communication audio. Mais il est certain que nous avons aussi besoin d'aller plus loin et de faire de la visio. Et là, maintenant... Avec cette opportunité qui s'offre à nous, nous avons la possibilité de toucher un plus large public, un public différent également. Ouais. Et par conséquent, ce studio nous permet de faire de la production qui sera disponible pour les territoires de notre Union, qui sera disponible pour d'autres territoires aussi, dans le cas de besoin. De telle manière que les supports soient disponibles entre les mains du public. Ensuite, je crois que nous nous dirigeons vers le Web TV, Web TV qui est un moyen de communication également, qui est prisé puisque beaucoup de personnes peuvent regarder la télé à travers le web et le web est assez répandu aujourd'hui. Et par-dessus tout, nous croyons qu'il faudra nous diriger vers le câble et vraiment la production télé, soit locale ou soit avec d'autres producteurs internationaux. De telle manière que nous soyons visibles. Mais il est normal aujourd'hui de produire afin d'avoir une banque de données qui sera utilisée pour les avancées que nous envisageons. Très bien, nous sommes très heureux hein, de vous accueillir, nous disions, dans cette première enregistrement de ce studio et nous espérons que les choses vont continuer à aller de l'avant. Si vous aviez un vœu à exprimer à partir de ce studio aujourd'hui par rapport au futur, quel serait-il dans le domaine de la communication? Eh bien, je souhaite vivement que ce studio remplisse sa mission, évangélisation. Et quand je dis évangélisation, je ne pense pas uniquement à l'étude biblique. Je pense au message de la santé, je pense au message de la famille, je pense au message de l'éducation, tout ce qui participe à la construction de l'homme. La construction de l'homme citoyen pour la terre, mais surtout la construction de l'homme pour le royaume à venir. Et je crois que si nous pouvons diversifier nos, et c'est notre souhait d'ailleurs, nous pensons que nous y arriverons, diversifier nos productions pour toucher plusieurs publics et répondre à des besoins différents de l'humanité, je crois que nous aurons atteint un objectif. Et donc c'est un peu ça mon souhait, et vraiment visiblement, qui n'est pas inaccessible à condition que nous fassions tout ce qui dépend de nous pour rendre possible ce développement dans les différentes directions que j'ai un peu mentionnées à l'instant.
Mais très bien, nous voulons vous remercier, pasteur Max-René Logan, d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau, sur cette première émission à partir de ce studio. Et nous prions que l'Éternel continue à bénir l'œuvre et qu'au travers de l'action de ce studio, les choses iront de l'avant et que, comme vous le disiez, l'Évangile sera proclamé et que le plus grand nombre de personnes puissent apprendre à découvrir que Jésus-Christ revient bientôt. Merci encore, pasteur Logan. Merci. Que Dieu bénisse cette organisation. Merci de votre invitation.